J'ai tourné cette vidéo cet après-midi à la montagne et ça m'a inspiré un peu le sujet du jour parce que piloter un hélicoptère, pour moi, c'est quelque chose qui ferait partie un petit peu de mes rêves et qui, j'y pense assez souvent quand je vois un hélicoptère, ça m'attire énormément. Et là, qu'est-ce qu'on fait des rêves justement? Parce que piloter un hélicoptère, c'est quand même un projet assez fou. Ça implique énormément d'argent, ça implique énormément de temps. Puis, enfin voilà, ça peut paraître un peu fou comme ça, mais les idées folles qu'on a dans la tête, on a plusieurs façons de les traiter, où on peut se dire non mais bon, c'est pas pour moi, j'aurai jamais le financement pour ça. Et puis ça peut carrément être hors sujet de la vie que je me suis créée, de la vie que je m'imagine. Ou alors ça peut être pourquoi pas. Pourquoi pas, un jour je pourrais avoir le financement pour ça, je pourrais générer des sous pour me payer une licence de pilote d'hélicoptère, et puis le temps, et puis j'aurai l'énergie pour ça, puis ça se calera. Au jour d'aujourd'hui, même si j'avais les finances, c'est pas quelque chose que je lancerai parce que c'est pas dans l'énergie du moment. Mais le fait de repousser un rêve, de repousser un projet, c'est comme si on se donnait aucune chance qu'il se réalise. Et le non, on l'a déjà. C'était ça que je cherchais en fait. L'impossibilité, on l'a déjà. Ok, c'est impossible, je m'arrête là, je piloterai jamais un hélicoptère. Ou alors, je peux continuer à me dire, mais si, c'est possible. Peut-être qu'un jour je piloterai un hélicoptère et ça fait partie de mes rêves qui se réaliseront ou pas. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.